messieurs, bonjour et re-bienvenue sur votre chaîne Command TV sur YouTube. Commandement votre, nous revenons ce week-end avec l'épisode 6. J'espère que vous vous êtes abonnés, que vous partagez, likez toutes ces vidéos depuis l'épisode 1. Merci pour tous ceux qui nous suivent déjà. Monsieur et Madame Kwende, c'est tout de suite. Et ce monsieur qui ne se dérange même pas. Ok, ça va se savoir. Donc pendant que moi je paye les factures, le bon monsieur sirote ses biens. J'en ai marre de tout gérer financièrement. En plus, c'est même long pourquoi. Dans ton cœur, j'ai découvert l'amour. Dans tes yeux, je me voyais comme la lune. Sur tes lèvres, j'étais contaminé. Et voilà, je suis amoureux. Madame Kwende, c'est toi ce que je veux. Je vais me voir cette facture avant que je me déchaîne sur toi. C'est ça qu'on appelle vraiment accueil tiède. On a gagné un million. Regarde. Mais ce sont des factures. Souvent, je ne suis même pas au courant que les factures sont arrivées. Et aujourd'hui, tu viens, tu me les tends comme ça. C'est quoi le problème? Tu viens sur moi comme une vulgaire faux. Fallait les payer comme tu as l'habitude de faire, non? Il y a quoi? Depuis quand l'avion atterrit sur ton visage. C'est des signaux que j'ai payé les autres fois parce que je n'avais pas de travail. Ouais, c'est ça. Tu étais au chômage, aéré au quartier comme un vulgaire bandit. Ça fait déjà 4 mois que je t'observe, Kwende. Et j'ai constaté que tu n'es pas prête à m'aider financièrement dans les charges de la maison. Pourtant, tu as un travail qui paye bien. Moi, je suis qu'une femme au foyer. Je ne suis qu'une femme au foyer qui se débrouille de la coiffure et de la couture à la maison. Tu sais quoi, monsieur? Il faut prendre tes responsabilités. Ah, mais voyons, je... Tu quoi? Le loyer, tu ne payes pas. La lumière, tu ne payes pas. L'eau, tu ne payes pas. N'en parlons même pas de la nourriture que je donne petit. Dis-moi, Kwende, tu me sers à quoi? Ah, mais non, parce que maintenant, je te sers à quoi? Madame, je te rappelle que je suis encore l'homme dans cette maison, d'accord? Alors, tu m'accueilles comme il se doit, comme un mari responsable. Avant de me parler des choses comme ça. Et en plus, je devais... Tu devais faire quoi, Kwende? Tu devais faire quoi? Tu as reçu ton salaire quand, Kwende? Qu'est-ce que tu as fait de l'argent, là? Hey, maintenant tu surveilles mon argent. Mon salaire. Et tu me parles de mon salaire. Je t'ai pas donné l'argent de la semaine. Kwende, dans les 5 000 que tu m'as donné, je sais pour la semaine. Hein? Je suis à 5 000 près. Tu passes ton temps à avoir au moins 2 biens par jour parce que madame est là, n'est-ce pas? Je ne poserai pas la question de la même façon, tu vois, mais un peu d'alcool n'a jamais tué personne. Donc, moi qui te vois un peu, je suis à mode. Tu vois la maison là? C'est vrai que tu vois bien la maison là. À l'intérieur, il y a des charges fixées. La facture d'eau, le loyer, la facture d'exister, la nutrition et les charges imprévues. Sans oublier qu'il faut épargner. Et tout ça nécessite un sacrifice à respecter. C'est pas pour rien qu'on t'appelle ministre de l'Intérieur. Tu travailles en gomme là, tu peux gérer ça. Quand je ne suis pas en train de blaguer. Si je suis ton ministre de l'Intérieur, alors respecte-moi. Tu ne m'étouffes pas avant. C'est toi qui vois. Tu choisis quoi de toutes ces charges? Là, sur cette position, elle était grosse fesse sur moi. Je pense qu'elle n'est pas le choix, elle ne peut rien décider. De quand moi, je suis à l'aise, je n'ai pas de problème. Écoute, bébé, s'il te plaît, laisse-moi souffler un peu. Je te promets que si tu me laisses, on va en parler. Puis je vais décider, on va voir comment je vais prendre les charges de cette maison. Prends mes responsabilités à main, l'homme fort, s'il te plaît, bébé. S'il te plaît, lève-toi sur moi. Tu me fais mal. Tu es sûr? Tu es sûr dessus? Tu es ma femme, non? Qu'est-ce que tu peux te mentir? Écoute, bébé, je suis désolé. Je savais pas que je te faisais souffrir autant. Je sais que pour moi, ce n'était que mes alcools et mes sorties avec mes amis. Là, je suis conscient de ça. Mais je te promets que tout à l'heure, on va mettre les points sur les i, d'accord?
pour que dans cette maison dorénavant, je prenne ma responsabilité d'homme. Je suis le mâle, monsieur Koindé. Je te promets que dorénavant, j'aurai des responsabilités. Et je vais voir comment épargner même un franc, même si c'est de façon symbolique, pour qu'à la fin de mois, nous aurons un peu d'épargne. S'il te plaît, fais-moi confiance. Alors, on est là. Alors viens là, ma chérie. Non, viens là, viens là. Oh là là, Madame Koindé. Mon bébé. Mon bébé, on t'attend. J'ai faim. Non, il n'y a pas. À l'intérieur. Tu peux pas. Il dit que c'est à l'intérieur. Ah. Et toi, comment tu étais ce mois ici là, non? On parlait à Chambre, c'est encore non. Madame Koindé. Koindé, ne me cherche pas. Madame, connaissez-toi ce que je veux, amour. C'est toi. Foupé.